Whiteness TJ. Man, Ninja Boo. So malage. Lege momo toto, kormo toto kondena. Man, rumla de keno doble, sone gafara. Isimu toto kondena. Man, lege. On y va. Je suis Aboubakar Boukari, producteur et présentateur de l'émission Asom Africa TV Show. Asom Africa TV Show est une émission qui est diffusée sur la chaîne Bronxnet à New York. Aujourd'hui, nous allons interviewer M. Batraoré Abdourazak, qui est le directeur exécutif de l'ONG TV. Allons-y. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Asom Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Batraoré Abdourazak, le directeur de l'ONG TB à Bafilo. Dans cette émission, M. Razak nous parlera de son ONG, des relations avec les autorités administratives et traditionnelles et bien évidemment des projets d'avenir de l'ONG TB. Sur ce, M. Razak, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci. Je réponds au nom de Batraoré Abdourazak. Je suis le directeur exécutif de l'ONG TV, basé à Bafilo, au Togo. Présentez-nous l'ONG TV, c'est-à-dire sa date de création, ses zones d'intervention et ses domaines d'intervention. Merci beaucoup. L'ONG TV est partie d'une simple association dénommée Association TV qui a été créée le 20 mai 2008 à Lomé suite à une prise de conscience d'un groupe de jeunes par rapport à l'avenir de notre pays, le Togo. Donc cette ONG, partie d'une association dénommée TV, a évolué dans le temps au plan activité sur le terrain et aussi au plan administratif, puisque quand on est un enfant, il faudrait qu'il ait un acte de naissance, il faudrait qu'il évolue, il fasse des études, évoluer, et après Dieu va décider de ce qu'il veut. Bon, donc nous avons évolué sur le plan administratif. Nous avons obtenu le 29 juillet 2014 le statut d'ONG qui nous a été octroyé par le ministère de la planification du développement. Donc, à partir de 2014, du 29 juillet 2014, nous sommes rendus compte que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses et on a pensé délocaliser le siège pour le transférer à Bafilo. Okay. So, le siège était à Lomé. Voilà, on a transféré le siège à Bafilo. Et là, on va revenir aussi pour les raisons pour lesquelles... Donc, je continue la présentation. Nous sommes dans quatre secteurs différents, à savoir l'éducation, parce que l'éducation est à la base de tout. Ouais. Il y a la santé. Il faut être en bonne santé pour aller à l'école. Il faut être en bonne santé
pour mener des activités au plan national et international. Donc après l'éducation, la santé, nous avons les arts et la culture. Au moins, si on peut oublier tout, ouais. Il faudrait quand même qu'on oublie, on n'oublie pas nos origines, nos vestiges et autres. Donc le quatrième volet, c'est le développement communautaire. Vous voyez, quand on a une bonne santé, on est bien éduqué, ouais. On est émancipé, épanoui, on maîtrise, comment l'appelle-t-on, nos valeurs, selon nos réalités culturelles, forcément on doit contribuer au développement du pays. Donc, voilà les quatre secteurs à travers lesquels nous menons des activités. Maintenant, nos zones d'intervention. Ouais. Et l'association Tibi est partie de Lomé, qui menait exclusivement ses activités au niveau de la ville de Lomé. Mais par rapport à l'évolution, c'est devenu une structure à caractère national. Et puis après aussi à caractère international. Peut-être qu'on va revenir. Quelles sont vos relations avec les autorités administratives et traditionnelles? Voilà. Vous voyez, et tout comme toutes les associations et ONG, nous sommes apolitiques. Mm-hmm. Vous voyez, donc nous tenons à ça. On dit souvent que le préfet est de passage, mais la préfecture demeure. C'est ça. Donc, nous sommes fils de la localité, on s'est implanté à travers une structure qui est reconnue sur le plan administratif. Donc, c'est une obligation pour nous de composer avec ceux qui représentent le gouvernement populaire au plan local. Le préfet, par exemple, quelle que soit son origine, nous, on travaille avec lui. Si aujourd'hui, X n'est plus préfet et que c'est Y qu'on amène, on compose avec la personne. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est politique. Nous, on est disponible à composer avec nous. Donc, au-delà de la préfecture, bien du préfet, nous avons le maire de la ville de Bafoué. La mairie est incontournable. La mairie est incontournable. Donc, pour contribuer effectivement au développement de nos localités, de la commune, surtout la commune de Bafoué, on est condamné de composer avec la mairie. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas quand même prétendre organiser un festival sans toutefois aller rendre visite ou bien informer le préfet d'Assoli ou bien le maire de la commune de Bafoué, et encore moins et le chef canton l'imam ou bien le président du conseil de préfecture. Voilà. Donc, c'est pour dire que on travaille en parfaite harmonie avec ces structures administratives et religieuses, culturelles. Et maintenant, on est en parfaite harmonie avec eux. D'accord. Bon, au-delà des autorités administratives et traditionnelles, quels sont vos rapports avec les autres ONG? Voilà, merci pour la question. Je crois que lorsque nous sommes arrivés à Bafoué, dans la préfecture d'Assoli, vous savez que la préfecture d'Assoli n'est pas volatile, n'est pas suspendue en l'air comme ça. C'est cadré dans une région donnée qui est la région de la Kara. Donc on s'est transporté à Kara pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau de la région de la Kara. Donc on s'est renseigné qu'il y a déjà sur le terrain un réseau des ONG, ce qu'on appelle réseau des ONG de la Kara, réseau K. Donc on s'est approché et actuellement le réseau K reconnaît quand même l'ONG Tibi. Donc c'est pour dire qu'on est en parfaite harmonie avec ce réseau-là et ses membres. Mm-hmm. Et donc à partir de là, souvent il y a des rencontres, d'informations ou bien de formations. Et en plus de ça, elles appellent la proposition de projet en manifestation d'intérêt. Donc on nous balance ces informations et puis on se prépare s'il y a lieu et on postule. Voilà, donc c'est le cas d'un ADEP, par exemple, l'Agence nationale pour le développement à la base et dont la coordination est à Kara. Donc actuellement, nous avons postulé et pour un projet, sinon pour deux projets. Le premier, les proclamations sont déjà données et que l'ONG est retenue pour mener des activités de coordination à travers un projet pour les jeunes vulnérables. Donc nous attendons la deuxième phase, le deuxième appel, le résultat du deuxième appel et on prie Dieu pour que
s'y soit retenu. Donc ça va nous faire deux projets à piloter dans la préfecture d'Assoli et ou du moins dans la région de la ACBN. Bon, monsieur Lazar, quels sont vos projets d'avenir? Nous avons beaucoup de projets parce que là, au niveau de, rien qu'au niveau de la préfecture d'Assoli, qui regorge beaucoup de potentiel. Et jusqu'à présent, je t'ai dit que sur 100 pas, deux que vous avez qui n'en sont pas encore exploités. Ouais. 2%. Donc 98% restent inexploités. Ah, je vous dis qu'il y a du travail à faire. Donc nos projets, nos perspectives, c'est que nous pensons au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des arts et de la culture. Là également, on ne peut même pas finir. Et puis au niveau de la, du développement communautaire. Là, quand vous analysez la préfecture de la Soli, vous allez vous rendre compte que réellement, il y a du travail à faire. Ce n'est pas un truc de la bouche, mais c'est des réalités. Ouais. Sur tous les plans, il y a du travail à faire. Donc c'est un peu pour moi, j'ai parcouru presque toute la moitié du Togo depuis que j'ai arrivé. J'ai vu que franchement, il y a du travail à faire. Pas seulement parce que... Pas seulement parce les ONG ont du travail à faire pour continuer au développement du pays. Donc, dans notre émission, souvent, posons des questions à nos invités. Bon, en ce qui concerne votre mot de fin, parce que notre émission est suivie par tout le monde entier. Merci. Parce que on met ça, après avoir diffusé ça à la télé, ça passe sur notre site aussi. Et on met ça aussi en ligne. Oui. Donc, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous sollicitez des appuis, c'est-à-dire de la communauté, de notre communauté ici, sur le terrain et sur de la diaspora? Vous savez, quand un enfant naît, il a besoin d'être encadré, d'être éduqué, évolué. Et cette éducation mérite quand même, cette éducation a un coût. Il faut payer la scolarité, il faut payer ça, il faut payer à manger les soins et tout. De la même manière, une ONG, c'est une vie qui mérite d'être entretenue. Donc pour notre cas précis, pour le cas de l'ONG Tibi, nous venons d'énumérer 4 domaines d'intervention. Ça veut dire que vraiment, actuellement, nous sommes battus quand même avec nos petits moyens pour évoluer sur le plan administratif. Maintenant, sur le terrain, nous avons besoin du soutien aussi bien pour la communauté qui réside dans la préfecture d'Assoli, pour la communauté qui réside au pays et surtout de la communauté qui vit au niveau de l'extérieur. Je voudrais bien parler de la diaspora. Donc il faudrait quand même que, à travers tous ces 4 secteurs dont on vient de dénumérer, qu'il y ait des bonnes volontés qui se manifestent pour nous soutenir et pour nous accompagner. Voilà le mot que nous pouvons lancé à l'endroit de tout le monde entier. Donc si je comprends bien, sur le plan matériel, sur le plan formation, donc les gens peuvent... Oui, bien sûr. À travers tous ces secteurs, on a besoin de soutien matériel, sur le plan logistique aussi, parce que là, un ordinateur qu'on envoie, ça va servir beaucoup. Et le matériel de sonorisation, et l'écran plat, le projecteur, l'ordinateur et bureau, bureautique, et les imprimantes, vous voyez. Lorsqu'on a actuellement besoin d'imprimer un document, soit on va en ville ou bien on va à Cara, on ne trouve pas ça normal. Pour nous permettre d'évoluer, c'est mieux d'avoir tout l'équipement à notre niveau. Donc, quand le projet est finalisé, on l'imprime chez nous, et on relie chez nous et on fait tout. Donc on ne fera que le déplacement de Cara pour aller faire le dépôt. Dans ce sens-là, nous appelons toutes les bonnes volontés de bien vouloir nous aider sur le plan matériel et sur le plan renforcement des capacités également. Nous, on est ouvert à toute formation parce qu'on se dit qu'il nous reste beaucoup de choses à faire au niveau de la formation. C'est ça. Et la même de même aussi pour le côté financier. Je crois que ça, on ne va pas pouvoir discourir. Toutes ces actions méritent quand même un soutien financier. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci. Quel est votre mot de fin?
Et c'est de remercier tout le monde, toutes ces bonnes volontés qui se manifestent souvent pour soutenir, pas seulement l'ONG TV, mais toutes les structures qui sont sur le terrain et qui concourent à l'épanouissement et au développement de nos communautés. Donc, à ces bonnes volontés, on demande la santé, de la longue vie et plus de moyens pour pouvoir soutenir nos actions. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Pour le temps que vous avez. Je remercie et partagé quand même. D'accord. Et je suis vraiment très content. Et à travers cette interview, nous avons le plaisir de dire à toutes les responsabilités, ou à toutes les autorités, de votre structure. C'est ça. Et qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer. C'est ça. Et puis de faire surtout. Notre visibilité, ça, ouais. Parce qu'il ne sert à rien de mener beaucoup d'activités sur les gens. Voilà, il faut s'ouvrir. Donc on vous remercie votre personnalité et à travers vous et la structure que vous incarnez ici. D'accord. Et merci et félicitations. Il n'y a pas de problème. Merci d'être là. Bon, à nos téléspectateurs, nous sommes au terme de notre entretien. Nous remercions le directeur général de l'ONG TV, M. Ouattara Abdourazar. Cette émission sera diffusée le mois prochain sur notre chaîne Bronze Night TV le premier jeudi du mois. Je vous remercie et à bientôt. The content you just watched was created by citizens just like you. An opportunity to use your independent voice and make your vision become a reality is a chance of a lifetime. So why not take this chance to BronxNet? With COVID-19 an ever-present reality, BronxNet gives our condolences to those we lost. Pay tribute to those who gave their lives to save another. Y agradecer a quienes realmente luchan en primera línea y enfrentan temores por nosotros. Thank you. Y nosotros también estamos trabajando juntos para frenar la propagación del virus al quedarnos en casa. With businesses closed, BronxNet is open for business in a different way. We are helping our producers to create content from their very home, and now you can too. With technology at our side, BronxNet is offering online workshops and virtual support to build your production skills. We are here to help you. Don't pass this chance to make your vision a reality. Bafi Bukhari, producteur et présentateur de l'émission Asom Africa TV Show, basée à New York, dans le Bronx. Asom Africa TV Show est une émission diffusée sur la chaîne BronxNet qui est localisée à New York. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, plus précisément à 390 km de la ville de Lomé. Lomé qui est la capitale du Togo. Et nous sommes à Bafilo actuellement, dans le centre artisanal des tisserands de Bafilo. Bon, j'ai mes guides qui sont là. J'ai M. Saïbou Diné et M. Asmanou Issao. Ils vont nous guider. On va visiter les ateliers. Allons-y. C'est la toute première étape de notre métier qui consiste à faire les gros bobines. Donc c'est les gros bobines que l'apprenti est en train de faire. Donc après cette étape, on peut aller. Donc, après l'étape des gros bobines, nous sommes à la deuxième étape. Donc, c'est ici, cette deuxième étape qui consiste à faire le défilé. C'est ça que nous appelons le défilé. Donc, l'apprenti est en train de faire le défilé.
et à la fin de ce défilé consiste à faire la composition aussi du pan. Et à la fin de ce défilé, il obtient ce qui a la forme du globe terrestre. Donc à la fin, c'est ça qu'il obtient. Et après ici, quelle est la troisième étape? Donc c'est ce qu'on aboutit à la fin de cette deuxième étape, ce qui a la forme du globe terrestre. Et la troisième étape consiste à attacher les fils un à un. Il peut attacher jusqu'à 300 et quelques attaches, jusqu'à 300 et quelques boules. Donc c'est ce que mon frère est en train de faire. À la troisième étape, madame, les appels, vous êtes qui? Samadi. Depuis quand vous faites ce métier? Depuis 2017. Vous êtes à l'aise quand vous travaillez avec les gens? Merci de vous avoir. Donc, cette fille est à la troisième année de sa formation. Donc, cette année, elle va à l'examen du CEPA. La cause pour laquelle on recrute les filles ici, c'est l'abandon. Après l'abandon de leur classe, il y a certaines filles qui vont aux aventures au Nigeria, à Cotonou. Donc pour limiter tout ça là, on recrute les filles ici pour apprendre le métier. Dans les années 85. Et vous voyez, les places sont vides. C'est parce que c'est un. Combien le prix est-il donné? Le prix varie en fonction des qualités de tissu. Ah, ouais. Par exemple, ça là, contenait à 35 000. C'est ça. Chemise, c'est de 5 000. Okay. Ça dépend des qualités ouais. de tissu et la forme des habits cousus. C'est ça. D'accord. Et ça là, c'est pour les femmes? Non, c'est les chats pour contrôler le froid et autres. Ah oui, oui. Vous voyez? Ouais. Ça là. Ouais. Ah, on se fait cadeau pour le peuple. Mm-hmm. Wow. Oh, ça c'est pour les chefs. Voilà. Voilà, c'est bien. Et vous avez des petits sacs aussi? On a tout ici. Wow. Par exemple, voilà. C'est pour les élèves. Ah, on met tout, des PC, tout ce que l'on désire mettre ici. Et ça, c'est à combien? C'est à 8 000. Wow. C'est à 8 000. Et les petits là? C'est à 7 000. D'accord. Mm. Voilà. Nous avons le pain posé. Le pain non cousu.
c'est juste la même chose que la première. Juste à 25 000 et combien à 35 000. Ah bon, vous allez nous faire un peu l'historique de... Ok, ça c'est bien pour les jeunes filles, d'accord, d'accord. Okay. Souvent, il y a des pagnes pour les femmes. Il y en a, c'est ça. Trois pièces. D'accord, d'accord. Pour la grande panne, ça. Ok. Et ça, les prix à combien? Les prix à 40 000. 40 000. C'est bon. Magnifique, elle peut essayer. Non, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ok, bon, maintenant, je voudrais que vous expliquiez l'historique de votre centrale artisanale. Ok. Comment c'est parti et puis. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant, le travail était du père en fils. C'est ça. Et c'est nos grands-parents qui ont amené ça ici. Ils sont venus en deux vols. Ils sont quittés du Mali, certains ont quitté du Mali, de la Guinée. C'est ça. Ils sont passés par la Côte d'Ivoire. C'est ça. Venus au Ghana, ils sont installés au Ghana. Et après Ghana, ils sont venus au Togo, plus précisément à Bafilo ici. Et ils sont venus en deux vols. Il y a certains qui ont passé par Niger. Mm-hmm. Après le Mali, ils sont venus au Niger. Après le Niger, ils sont venus au Bénin. C'est ça. À côté, ici à Djougou. Ouais. Et après Djougou, ils sont tous sont arrivés ici. Et en Bénin, ils ont ça au motif. Juste pour prêcher l'islam. Pour prêcher l'islam. Et ils sont des guerriers aussi. C'est ça. Et comment les entraîner, c'est... Donc, ils sont venus, on ne peut pas dire à telle année, mais juste à l'arrivée de l'islam, c'est notre ville ici. Ah, d'accord. Juste à l'arrivée de l'islam. D'accord. Et qui a créé les centres? Les centres ont été créés par les touristes les français. Ah. Avant, quand ils étaient venus, les travail, nous sommes dispersés dans les quartiers. C'est ça. Pour aller faire des tournées, il y a fatigant là-bas, ils ont pris l'initiative de dire bon, ils vont nous regrouper dans un seul centre. Mm-hmm. Et les touristes étaient les Français, et celui qui a construit les grands bâtiments qui ont été rentrés. Ok, alors c'est bien. Ok, c'est bon, je pense que vous avez parlé un peu. Donc parmi ces actions de nuit, il y a plusieurs ethnies. Mm-hmm. Par exemple, il y a les Traoré qui sont venus vers les Ghana, il y a Traoré aussi qui sont venus vers le Bénin, il y a les Touré, il y a les Koumaté, les Kokosi, Ouattara, il y a les Guidé, il y a les Bao, les Fofana. Tous sont venus avec un seul objectif, ils sont regroupés dans les mêmes localités qui s'appellent les Didaoré. C'est ça. Donc c'est seulement ici à Didaoré qu'on fait. Bon, actuellement ici au Togo, c'est juste les Bafil, à Bafil ici qu'on tisse, plus précisément à Taouré. C'est ça. Ah là, c'est bien. Ok, je pense que vous avez parlé de tout et nous sommes très impressionnés de ce que vous faites ici. Merci beaucoup. Donc, moi, bon, je suis le présentateur d'une émission. J'ai voulu passer ici voir ce que vous faites et j'ai été très impressionné. Merci beaucoup. Donc ce que nous venons de faire sera diffusé. Merci beaucoup. Inch'Allah, peut-être que vous aurez la visite des touristes. Inch'Allah. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous avez. J'espère vous revoir la prochaine merci. Fois. Condena.